Le Raï participe à des Moubarat. À part des Moubarat. Cette équipe a été stoppée par le Cameroun. Sigurno da smo htjeli da pobedimo, sigurno da smo htjeli da dobijemo tri boda danas, međutim naišli smo danas na jednu dobru ekipu, organizovanu ekipu. Tek je prva utakmica, tako da je ostalo još dosta utakmica i dosta bodova i sigurno da nije ovaj rezultat kako smo željeli, ali momci su dali sve od sebe i imali smo dosta šansi, nismo uspjeli da pobedimo. طبعا كنا ننتظر انه المترجم يدخل يعني اللي يتدخل ويقول لنا واش كان يقول باللغه الماتش en jeu, beaucoup de points en jeu, les joueurs ont fait leur maximum. Donc on est déçu aussi de ne pas avoir gagné cette rencontre. Simple question pour Karl Medjani, le capitaine. Qu'est-ce qui a manqué l'Algérie aujourd'hui pour une victoire à Tchaker? Je pense qu'il a manqué un petit peu de réussite offensive. On a eu quand même beaucoup de situations pour marquer ce soir. Il faut dire quand même qu'il y a eu un bon gardien en face. Il marque un but sur, je pense, sur une petite erreur de notre part. Si on fait le total, ils ont deux occasions dans le match et on finit avec un match nul. Donc on a eu beaucoup de situations de centre et c'est vrai que je pense qu'il nous a manqué un petit peu de réussite pour pouvoir gagner ce match ce soir. Merci. Première question, coach, pour une question pour Karl. Coach, vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez le genre d'entraîneur qui se contentait d'un résultat minime, c'est-à-dire 1-0, 2-1. Et que vous étiez même étonné lors d'un match amical des A-Prime de voir les joueurs continuer à presser malgré une victoire. Pourquoi aujourd'hui, en menant 1-0 contre le Cameroun, vous n'avez pas justement essayé de fermer le jeu et jouer par des contres, sachant que vous, c'est votre façon de jouer, parce que vous l'avez dit à plusieurs fois. Et juste une question pour Karl, le Nigeria, il a gagné aujourd'hui, ils ont gagné aujourd'hui. L'Algérie est vraiment condamnée à ne plus perdre au Nigeria. Est-ce que vous sentez que cette équipe est capable de ne pas perdre au Nigeria? Dobro, nije sigurno da ova ekipa ne može tako da igra. Prvo da kažem da igrati kući ili na strani sad je sve isto, znači teren je teren, tako da ovo je naša prva utakmica. Uzeli smo bod i mislim da smo dali sve od sebe, ali nekad i kad ste bolji ne pobedite, ne uzmete tri boda. Tako da to sigurno danas smo hteli i napadali i kad imali smo jedan veliki pad u toku igre 15 minuta i tad smo i primili gol. Posle smo imali neku stabilnu igru, međutim nismo mogli da damo gol. Tako kaže vam, kući ili igrati na strani, sve isto. I donc jouer à domicile à l'extérieur, ça revient au même. Après le but, on a eu 15 à 20 minutes avec beaucoup. Le jeu a nettement baissé après le but qu'on a marqué. Donc notre équipe n'est pas vraiment une équipe défensive et voilà, donc on a eu des chances, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne le match. C'est sûr que avec la victoire du Nigeria en Zambie, on a usé un petit joker comme on peut dire. Maintenant, sachez une chose, c'est que une qualif, ça se fait pas dans la facilité. Il faut rappeler que même si c'était à l'extérieur, lors de la dernière campagne de Coupe du Monde, on avait perdu contre le Mali
au Burkina Faso. Et sachez aussi une chose, c'est que on est un groupe de 23, 25, 27 joueurs unis, tous concernés par l'objectif qui est de tous nous emmener, Inch'Allah, en Coupe du Monde en Russie. Et j'ai totalement confiance en mes partenaires. Réussir cet objectif. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire. Mais croyez-moi que dès demain, on sera tourné sur l'objectif du Nigeria et j'espère qu'on ramènera un résultat positif, Inch'Allah.